Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mardi 16 février 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que tout se passe au mieux pour vous, que voilà, que vous cheminez doucement mais sûrement, en tout cas sur votre chemin qui est le vôtre. Alors, on va regarder ensemble avec le petit oracle des fées pour commencer cette guidance. Pour cette journée donc du mardi 16 février 2021, quelles sont les énergies générales pour cette journée du mardi 16? Et nous avons dans le sillon des fées: ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Ok, donc là, on nous invite vraiment à prendre du recul, à faire pause si vous voulez, hein, sur votre journée, peut-être sur le déroulement de votre journée. Si vous sentez que les choses se coincent ou vous êtes confronté à une situation compliquée, on vous invite vraiment à essayer de voir les choses différemment. Alors, c'est pas toujours évident, parce qu'on manque peut-être de recul, justement. Et là, on nous invite justement à le prendre, à prendre du temps, à prendre du recul sur une situation qui peut-être peut ouvrir d'autres portes, qui peut nous permettre de sortir d'une impression comme ça d'être bloqué, d'être figé ou d'être confronté à quelque chose de difficile. Ça peut être un choix, une décision, ça peut être comment gérer une situation, comment faire, trouver une solution, enfin voilà. Là, on nous invite vraiment à ne pas nous laisser décourager, surtout par la situation telle que vous la voyez, par le conflit ou en tout cas le blocage extérieur, voilà. Et ne vous laissez pas décourager par rapport à ce que vous percevez de difficile, mais plutôt à réussir à prendre du recul et essayer de trouver cette manière de, je dirais, d'appréhender ou de, voilà, d'appréhender cette situation compliquée. Bon, on va voir ce qu'on peut nous dire ici avec l'oracle des chakras, voilà. Pour ce mardi 16, ok. Ben voilà, bon. On a la carte de la lucidité qui nous apporte la compréhension, l'éveil, la conscience et l'auto-évaluation. Donc on nous dit ici effectivement qu'il y a une situation qui demande à être éclaircie. On va peut-être aussi avoir un certain voile de l'illusion qui peut s'enlever. C'est-à-dire que parfois on est confronté à une problématique et on a l'impression que cette problématique, si vous voulez, elle est insurmontable, ou en tout cas qu'on ne peut pas composer avec, ou qu'on ne peut pas la surmonter. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui peut nous bloquer. Et là, en prenant du recul et en essayant de dire que finalement c'est pas si grave que ça, qu'on peut essayer de trouver des solutions, qu'on peut essayer plutôt que de fixer vraiment sur la problématique, eh bien, ça nous permet de nous enlever certains voiles. On peut se dire ici que bah, ma mince, alors j'aurais jamais vu ça comme ça. Il y a quelques jours en arrière, ah non, non, mais jamais j'aurais compris comment sortir de cette situation, alors que oui, effectivement, il y avait bien des solutions, voyez? Donc là, on nous apporte la lucidité, la capacité qu'on va avoir justement à percevoir les possibilités qui s'offrent à nous, hein, voyez? Pour pouvoir justement éviter de se confronter à une problématique, à un mur, quoi. Moi, ce que je vois, c'est un mur On n'essaie même pas de le contourner, ce mur. C'est-à-dire qu'on se dit, punaise, c'est pas vrai, la route est barrée, comment je vais faire? Voilà, il y a un mur au milieu, sauf qu'on ne se rend pas compte que bah, peut-être qu'il y a un petit chemin qui contourne ce mur, ou alors on peut peut-être le grimper. Enfin bref, il y a une solution. Ça, c'est... Et souvent, on dit, à chaque problème, il y a sa solution. Donc, il y a forcément quelque chose qui peut se résoudre ici. Allez, on va voir avec un message de l'oracle des métamorphes, donc pour ce mardi 16 février. Mardi 16 février 2021. Ah, très intéressant. Nous avons la carte du rebondissement, un changement inattendu et imprévisible.
Alors, le rebondissement peut être positif ou négatif. Bon, en soi, moi j'ai l'impression qu'on nous montre quelque chose. La lucidité, on nous apporte effectivement une nouvelle vision, une nouvelle, je dirais, qui nous permet d'y voir plus clair, en tout cas, par rapport à une difficulté. Donc, le rebondissement, c'est peut-être ça. C'est peut-être se dire que finalement, bah oui, j'avais pas vu cette solution-là. J'avais pas vu ce chemin. J'avais pas vu, effectivement, qu'on pouvait faire comme ceci ou comme cela. Allez, on va voir ce qu'on nous dit ici avec le très bel oracle de Gaïa, que j'aime beaucoup aussi. Enfin, je les aime tous en quelque sorte, mais c'est vrai que l'oracle de Gaïa, il y a quelque chose de particulier. Allez, pour cette journée du mardi 16. Oula, ok. Difficile, les grandes cartes à mélanger. Voilà. Oh, très bien. Vous voyez, on a la très jolie carte de la libération. Rompre un attachement néfaste. Il y a quelque chose qui se libère. On pensait les choses peut-être impossibles. Pour certains, ça peut être l'accès au pardon. On s'était dit, non mais jamais je pourrais pardonner à cette personne. Jamais je pourrais réussir à tirer un trait sur cette situation, sur ce conflit. Eh bien, pour cette journée, on va vous montrer que c'est possible. Que tout est possible, qu'il y a des moments où on peut effectivement ne plus souffrir et on peut décider de ne plus souffrir d'une situation conflictuelle, d'un conflit, de quelque chose qui est cyclique, hein, qui revient en permanence, tiré sur votre corde sensible. Et là, on vous dit qu'il est possible de s'en libérer. Voilà. Donc, il y a une nouvelle façon de voir les choses qui peut vous permettre de prendre de la hauteur, en tout cas pour cette journée-là, d'écouter un peu votre voix de la sagesse. Hein, parce que avec la colombe qui prend de la hauteur, j'ai vraiment ce sentiment qu'on accède à une espèce de sagesse intérieure où on lâche les armes, on se sent beaucoup plus en paix avec soi-même et du coup, on se sent peut-être prêt ou prête à faire la paix avec quelqu'un, vous voyez, ou avec une situation qui a été vraiment difficile. Allez, on va voir ici du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Ici, pour cette journée donc du mardi 16 au niveau de nos activités énergie d'action. Ah, nous avons l'ego. Bah oui, c'est sûr que quand on accède au pardon, bah parfois l'ego résiste un petit peu. C'est, vous savez, c'est le côté un petit peu fierté. C'est le fait de se dire ici, bah oui, mais moi j'ai tellement souffert par le passé que... ça m'embête un petit peu de faire le premier pas, vous voyez? Ça m'embête un petit peu de me rabaisser à... Ouais, cette sensation de se dire, bah oui, mais mon ego en prend un coup, vous voyez? C'est tout à fait ça. Et là, je pense qu'on va être confronté à notre ego. Alors, c'est pour ça qu'on va pouvoir justement y voir clair et savoir quand l'ego veut parler, quand l'ego veut se montrer, quand l'ego veut se mettre en avant de façon, on va dire, plus... de façon déraisonnable, voilà, parce que l'ego, on en a tous besoin, hein, pour aller de l'avant, pour justement avoir cette, voilà, se dire, bah oui, mais moi, je prends en considération mes besoins, mes envies, mes idées, et il est important quand même de me respecter et de se faire respecter, donc l'ego, il a sa juste place, sauf que parfois, dans un conflit, on peut tellement avoir été déçu ou blessé, ou avoir ce sentiment d'avoir été humilié, donc la blessure de l'ego, hein, qu'à chaque situation compliquée, conflictuelle, eh bien, il y a cet ego qui va, de manière automatique, se mettre sur la défensive, qui va reprendre les rênes, le contrôle, on va dire, de la situation, et qui va peut-être envoyer balader les personnes, être peut-être en colère, et en même temps, ça, on ne peut pas guérir comme de cette manière-là, voilà. On ne peut pas guérir de cette manière-là. Donc là, on nous invite vraiment à peut-être prendre conscience de la place de l'ego, justement, dans une situation bien précise. C'est intéressant. On va voir, donc, du coup, du côté de notre énergie d'action, activité avec le tarot pour cette journée du mardi 16 février 2021. Donc, on voit qu'il y a l'ego qui est là. Il y a un désir, quand même. L'as de bâton nous parle de notre désir, de notre instinct aussi. Alors, le côté instinctif, c'est vrai que l'ego, en général, il réagit assez facilement à ces énergies un peu primaires, c'est-à-dire l'instinct, hein, l'instinct animal, l'instinct de défense, l'instinct de se dire « Oh, je me suis fait avoir une fois, je ne veux pas me faire avoir une deuxième fois », donc on peut montrer les dents, par exemple. Et il y a vraiment l'idée de se dire ici « Mais non, mais j'y arriverai pas. Si je baisse les armes,
J'ai l'impression que c'est trop difficile pour moi, que je vais pas y arriver. Vous voyez, la 2 d'épée, on voit bien que ce personnage, il a les yeux bandés. C'est l'impression d'être bloqué dans une situation, dans un conflit peut-être, qui vous empêche d'y voir clair. Et là, ce bandeau, il va se lever. Parce qu'il y a un rebondissement. Il se passe quelque chose par rapport à ça. Ouais. Il y a une bonne nouvelle qui arrive ici. Hein. On a quand même ce chevalier de coupe qui est porteur d'une bonne nouvelle. Et qui va peut-être vous permettre de pouvoir vous exprimer. Alors, peut-être qu'au niveau professionnel, pour certains, vous avez gardé des choses en vous. On voit la 4 de Pentacle. Vous aviez peut-être peur de vous exprimer, peur de vous mettre en avant, peur justement de vous montrer. De prendre peut-être la parole devant les autres, de prendre plus de place un petit peu quand même. Hein. Vous étiez peut-être en retrait. Ça vous paraissait impossible de se dire « Mais non, mais j'y arriverai pas. J'arriverai pas à exposer mon projet. » Et pourtant, il y a quelque chose qui vous motive. L'as de bâton, c'est comme je disais, le côté instinctif, mais c'est aussi la passion et le désir. Le désir d'avoir envie de faire ou de dire quelque chose qui pourrait vous libérer, si vous voulez, d'une sensation, d'une hésitation ou d'un blocage ou quelque chose qui vous maintient dans une... dans une forme de ouais, comme si vous faisiez du surplace là. En fait, je vous vois avancer sur un tapis roulant, vous voyez, comme un tapis de course là, et en fait vous n'avancez pas, vous faites du surplace, mais pourtant vous donnez des efforts, vous êtes dans la démarche, mais quelque part il y a quelque chose qui, peut-être une peur, une crainte de se mettre en avant, une timidité, quelque chose d'un peu trop lourd qui vous empêche d'aller jusqu'au bout. On a ce chevalier de coupe qui est porteur de bonnes nouvelles. Alors, ça peut être quelque chose de réjouissant, d'encourageant, ça peut être aussi des flatteries, quelqu'un qui peut vous dire, mais si vous en êtes capable, quelqu'un qui peut vous motiver émotionnellement et qui peut vous montrer que finalement, vous pouvez faire justement ce que vous avez envie. La carte de l'ego ici, j'étais partie dans l'idée du pardon, parce que je pense qu'émotionnellement, il y a quelque chose à régler aussi. Mais là, il y a aussi cette notion de mettre cet ego à sa juste place, justement, et dans une activité, quelle qu'elle soit, de prendre le courage, d'avoir le courage nécessaire de s'affirmer, de poser ses limites. Là, on n'est plus sur l'expression de qui vous êtes réellement, vous voyez, sans avoir besoin de vous mettre en retrait. Vous avez des idées, vous avez l'impératrice derrière avec ce chevalier de coupe. Moi, je pense que ce chevalier de coupe, c'est une énergie extérieure, une bonne nouvelle ici qui peut vraiment vous inviter, si vous voulez, à exprimer vos idées, vos projets, votre créativité dans ce que vous souhaitez mettre en place, dans ce qui vous passionne aussi. Quelque chose que vous aviez gardé pour vous depuis peut-être longtemps et que vous n'avez pas osé mettre en avant. Là, on vous dit qu'il est peut-être temps de le faire. Parce que vous y voyez plus clair aussi. Il y a quelqu'un qui vous montre que vous êtes capable. Donc allez-y. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est un rebondissement. C'est quelque chose qui peut être inattendu. Vous ne vous y attendez pas. Mais en tout cas, il y a l'idée ici de réussir à se libérer d'une peur, d'une crainte, d'un poids, de quelque chose qui vous empêchait d'aller de l'avant. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. La carte de l'ego ici est très bien placée parce que justement, elle vous montre que... l'ego à sa juste place, justement, vous permet de vous imposer quand il le faut. Ouais, voyez. Ouais. Allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur pour cette journée du mardi, mardi 16. On parle ici de différence d'âge. Alors peut-être une personne autour de vous, hein, voyez, il y a une répétition des schémas. Pour moi, il y a un conflit qui se répète. Hein. Un conflit avec une personne plus âgée que vous ou plus jeune que vous soyez parent ou que vous soyez peut-être avec vos parents ou avec vos enfants, par exemple. Hein, il y a quelque chose comme ça. On a cette sensation où une personne vraiment différente de vous. Il y a vraiment l'idée ici d'avoir des points de vue différents et de se dire, bon là, on n'arrive pas à s'entendre. Il y a un conflit qui dure depuis très longtemps. Bien là, il est peut-être question ici justement d'y voir plus clair. Il y a un rebondissement. Voilà. Donc on sent que on a envie de se libérer d'un poids, on a envie justement de retrouver plus d'harmonie. Hein. On voit bien que ce 2 de Pentacle, il essaie hein, ici de trouver un équilibre, il essaie, tant bien que mal. Mais là, ce roi d'épée, le roi d'épée ici, c'est une énergie qui nous apporte la capacité d'y voir, bah, c'est la lucidité aussi, hein, la capacité d'y voir plus clair et de savoir ce que l'on veut vraiment par rapport à une relation ici.
Donc il y a un recentrage très important ici. Hein. Je ne suis pas surprise d'avoir la 10 d'épée. La 10 d'épée nous parle effectivement d'une fin de cycle difficile, d'un conflit qui n'a que trop duré. Ça se répète. Voilà, tout le temps, vous en avez marre, c'est une blessure, une souffrance, quelque chose ici, on vous dit non, il est temps de laisser ça derrière, mais de le faire peut-être, je dirais, de façon, avec plus de paix, plus de sérénité. On parlait de sagesse tout à l'heure, c'est ça, avec plus de sagesse. Concentrez-vous sur vos rêves. La 9 de coupe vous dit ici que il y a quelque chose qui vous appelle, un bonheur, un rêve. Peut-être une vie que vous souhaitez mener, vous, votre vie à vous, avec ou sans ces personnes-là. Après, c'est à vous de voir où vous positionnez. Parce que le roi d'épée, il tranche. Lui, il sait prendre une décision, il est capable en tout cas de prendre une décision pour, en fonction de ce qu'il désire, et pas en fonction des autres. Voilà, donc il y a peut-être un petit peu d'instabilité pour cette journée émotionnelle, hein. C'est parce qu'on voit qu'il y a un rebondissement, il y a un changement, quelque chose d'assez inattendu, mais qui vous permet de vous positionner et de réussir à vous diriger vers quelque chose. On sent qu'il y a une différence d'opinion, il y a quelque chose avec quelqu'un ici qui a été compliqué peut-être pendant des années, et là vous vous dites, il est temps de penser à moi maintenant. J'arrête de perdre du temps peut-être à vouloir tout le temps convaincre les autres, hein, c'est peut-être ça aussi, avoir envie de convaincre les autres dans votre rêve, sur votre chemin, parce que le chemin qui est le vôtre n'est pas forcément le chemin de votre entourage, donc il faut aussi savoir reconnaître que parfois on est différent et que bon bah voilà, quoi qu'on fasse, c'est comme ça, il faut l'accepter. Et quelque part, il est temps de tourner la page. Hein. La 10 d'épée, c'est vraiment quand on décide de... Bon, il y en a marre, on a été jusqu'au bout du conflit, on a bien compris qu'on n'était pas d'accord, qu'on était différents. Bon, maintenant il est temps de se concentrer peut-être sur des choses plus productives. D'ailleurs, on a la 8 de Pentacle derrière qui nous parle de travail et d'effort. Donc peut-être qu'on va être plus souple. Moi j'ai l'impression que pour cette journée, on a une possibilité d'être beaucoup plus souple, de prendre beaucoup plus de recul, d'être moins rentre-dedans peut-être, d'être moins dans l'ego justement, et de se dire ok, bon, on va essayer de voir au niveau relationnel, mais il y a l'idée ici de tirer le meilleur parti de la situation avec beaucoup de sagesse. Voilà. Et une possibilité effectivement de tourner une page. Un soulagement. Ok, allez, on va voir ce qu'on nous donne avec... le tarot des anges gardiens pour cette journée du mardi 16 février 2021. Les énergies générales ici. Ah, nouveau départ, vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Voilà, donc là on vous dit que ça y est, vous êtes prêts, vous êtes prêtes. Vous sentez au fond de vous que ça y est, vous avez réussi en fait à tourner une page de votre vie sur peut-être une blessure émotionnelle ou en tout cas sur des attachements qui ont été difficiles justement à couper, des liens peut-être qui ont été difficiles à couper pour réussir à se lancer vers un renouveau, un nouveau départ. Donc on vous invite vraiment à faire confiance, hein, à avoir confiance en vos anges, en la vie, en tout ce qu'on vous offre finalement, à avoir le potentiel, hein, de ce qui vient vers vous et ne plus rester focalisé justement sur ce qui ne va pas. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une très très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.